Bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu qui s'appelle du coup Beat the Dead. Tape les morts, c'est pas cool de les taper parce qu'ils sont morts, mais voilà. Du coup, je crois que c'est un shooter. J'ai regardé rapidement le jeu, j'ai regardé quelques images du gameplay, je me suis dit il a l'air giga cool. Donc on va se tester ça. Le jeu, déjà, visuellement, est plutôt cool. Ah, il faut que je programme ça. Alors attendez, hop, on va mettre ça là parce que je suis sur émulateur du coup hein, je vous le dis à chaque fois mais j'ai pas d'appareil Android donc je joue sur émulateur donc là voilà là je peux le faire bouger. Ah ça tire tout seul. Ah ça tire. What? Ok. X. Ok, alors visiblement, ça tire tout seul. Un peu dommage. Je suis pas très fan de. Yes, ok. C'est juste ça. J'ai juste besoin de d'échapper pendant que vous tuez les zombies. Tap to compare, increase knockback chance by. Tap, je tape où pour comparer? Grab. Apparemment, fallait comparer. Je sais pas tout comment on fait pour comparer, gros. J'ai un livre de compétences en haut? Infected Book, boss. Infected, ok. Alors j'imagine qu'il y a un arbre avec des compétences, du moins quelque chose comme ça. C'est quoi ça? Ah mais ça je suis con, je suis déjà allé là-dedans. Menu. Non, bah non, pas menu. Ok, alors si c'est juste se déplacer, le jeu est giga limité. Mais je pense qu'il faut se déplacer pour, voilà, trouver les zombies qui sortent de leur cachette. Et il faut évidemment éviter qu'ils nous touchent parce que c'est des zombies. Apparemment il faut allumer le générateur. Ok. Attendez, j'ai pas de barre de vie. J'ai pas de barre de vie. Est-ce que je le laisserai pas me toucher juste une fois pour voir? Non mais. Non mais vous êtes débile, tapez-moi, voilà. Ah ok, tu te fais toucher une fois et t'es mort, ok. Antivirus. Comment ça? Antivirus. Avast. Tap to restart. Ok, donc là on redémarre au jour 2, ok. Par contre, la question que je me pose c'est. Est-ce qu'on fait que tirer sur des zombies? C'est ça le jeu en fait, c'est tirer sur des zombies. C'est même pas tirer en fait parce que je vise pas du tout personnellement. Et comment je sais que le générateur il est bon? C'est un peu limité votre jeu là quand même, monsieur, monsieur Benichou. Alors, visuellement c'est cool, ça a l'air sympa. Mais si c'est juste. Comment je peux pas cliquer ou faire un truc? Yes, franchement, beaucoup trop d'efforts pendant cette partie. Je vais cliquer sur celui à droite. Increase, reload. Ah, d'accord. Alors, si je clique, ça me dit celui que j'ai. Ok, donc ça, c'est celui que j'ai. Ça, c'est ce que je peux avoir. Donc, lui, il augmente la vitesse de recharge par 6%. Je clique où là? Comment ça, free upgrade? Non, mais ça va mater, ça va m'ouvrir une pub en fait. Ah non. Ah non, ok. Je prends lequel? Celui-là, il est vert. Pourquoi il est vert? Peut-être qu'il est vert pour m'induire en erreur. Vas-y, bon, on va prendre ça. Ok. J'aurais bien aimé avoir les stats en fait de mon propre gun pour voir ce que ça change vraiment. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas eu besoin de recharger parce que bah, je suis meilleur quoi. Mais. Ok, ça va, il met pas beaucoup de temps. C'est quoi Rampage Go? Non, mais il y avait un truc. Ok, je clique sur lequel? Celui de droite. On va toujours cliquer sur le même jusqu'à la fin de la vidéo. Oh, il est violet! Increase the chance of instant reload? Vas-y, mon gars, vas-y, je prends ça. Il est violet. Donc 100% il est mieux. S'il est violet, c'est qu'il est mieux, d'accord? Par contre, je peux pas. Une fois que j'ai pris le gun, je peux pas prendre. Ok. Mais non, mais il y a Rampage, il y avait écrit Rampage, go, ça fait quoi? Ah ouais. Ah ouais, il est archi vénère là en fait. Ok, hé, hey, calme-toi.
est giga vénère en fait. Yes, c'est bon, il s'est calmé. Il a pris ses médocs. Il s'est calmé. Par contre, là, je comprends pas ce que je dois faire. Je vais me faire buter, je vais me faire toucher. Je suis mort. Je suis 100% je suis mort. Non, c'est bon, j'ai géré le truc. J'ai géré, ok. C'est pas si évident que ça, d'accord? Même si le personnage tire tout seul, c'est pas si évident que ça. On va essayer de les brain un peu. Ah, il faut que je reste comme pour le générateur tout à l'heure, ok, ok. Ah ouais. Vous êtes super exigeant dans le jeu. Oulala, mauvais bail, mauvais bail. Attends, mais ils reviennent tout le temps à la vie? Mais. Il y en a à l'infini? Eh ouais, eh ouais. Ok. Ok, ok. Voilà, là j'aime bien, là je suis le meilleur. On va pas se le cacher que je suis le meilleur. Increase mission complete. Completion speed. J'ai pas compris. J'ai relâché l'arme. J'ai rien compris. J'ai pas compris pourquoi. Quel moment? Moi? Non, pas du tout. J'ai pas compris. Bref, le jeu est sympa. Alors, pour l'instant, histoire de faire un mini récap, j'aime bien. Je trouve qu'on est un peu limité dans le sens où on peut pas. J'aurais bien aimé savoir quelle arme est-ce que je peux prendre en fait. Enfin, pouvoir rechanger mes armes, etc. Avoir vraiment les stats, pouvoir. Peut-être que par la suite, on peut up les stats de notre personnage. Peut-être qu'on peut lui. Il y a un système de compétences, etc. Oh, il y a un giga boss. Vas-y, on met le mode vénère. Ok, c'était un petit boss, hein. C'était pas non plus le boss de l'année. Merde, j'ai cliqué sur un truc, j'ai pas eu le temps de lire, j'ai fait double clic, j'ai pas fait gaffe, merde. Marde. Ah oui. Oh 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 oh, tu vas te faire toucher. Ah, par contre, en vrai, le pompe pour cette mission, il est dégueulasse. Est-ce que si je meurs, je peux rechoisir et revenir prendre le petit Glock que j'ai laissé tomber ou pas? Genre, c'est quand on va se laisser toucher? Voilà. Est-ce que je peux reprendre le flingue que j'avais ou pas? Ça, c'est la grande question, en fait. Ouais, antivirus. Merci pour la pub. Fermez la vidéo. Tap to restart. Et ça fait redémarrer à zéro ou pas? Non, ok. Jour 6. Ok. Alors, ça nous fait redémarrer là. Mais on peut pas rechanger de flingue, c'est à dire que si j'ai pris le pompe, mais que le pompe il va pas bien dans ce genre de scénario, je peux pas genre reprendre mon petit gun. C'est chiant en fait. Parce qu'au final le pompe pue la merde en fait, personne va prendre, ça sert à rien de prendre le pompe, il faut prendre le petit gun. Et voilà, parce que le pompe est trop, mais trop de temps à recharger etc. Et s'il y a trop de zombies qui vous foncent dessus, bah ça ne sert absolument à rien en fait. C'est crise d'épilepsie. C'est absolument n'importe quoi. J'adore. C'est archi n'importe quoi. Pourquoi vous faites ça? C'est quoi le délire en fait? N'importe quoi. Bon, attendez, en haut il y a plusieurs cases. Donc peut-être qu'avec les cases en haut, petit à petit quand on avance dans l'aventure, on peut avoir plusieurs armes sur soi. Ou alors plusieurs compétences. J'imagine, parce que là sinon on est vachement limité. En vrai, c'est toujours bizarre de s'avancer sur les jeux vidéo comme ça quand on teste sur une seule vidéo et de dire bah tiens, y a rien alors qu'en fait bah, on est juste au début du jeu vidéo. Ok, il faut que... Alors là, je suis censé rebuter des zombies, attendre que ma barre du coup de tout à droite se recharge pour pouvoir finir le camion, ok. Un peu chiant quand même. Un peu chiant. Mais j'aime bien. Jusqu'ici, j'aime bien le jeu, même si on est vachement limité. Même si du coup, on est en mode... Bon, on a juste à marcher, à éviter les zombies, et c'est l'IA qui tire à notre place. C'est un peu dommage.
C'est un peu dommage, vous avez partie de cette lignée de jeux vidéo où bah, ils nous font des jeux vidéo où vous branlez rien dans le jeu vidéo. Je peux pas critiquer parce que je joue à Might and Magic, à Might and Magic je mets en automatique et voilà quoi. Mais ça fait partie du coup de cette série de jeux vidéo où on est un peu. Où le jeu est simplifié pour vous en quelque sorte et où bah, vous avez de la difficulté ailleurs, mais de la difficulté qui du coup est pay to win en quelque sorte. Où il faut mater des pubs, où il faut du coup mettre de l'argent pour avoir des meilleures armes, etc. Je trouve ça un peu dommage. Même si là j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment un shop, etc. Mais comme on est juste au début du jeu, je pense que comme c'est le début, on n'a pas accès à toutes les options et à toutes les armes. C'est super fort! Giga dur. Giga dur comme jeu. Toujours on clique toujours sur la même tête. Oh, on dirait un Uzi, on va prendre. Alors voilà, je peux mater une pub du coup pour upgrade, mais comme je suis en vidéo, on va passer. Tu te fous de ma gueule, c'est pas possible en fait. Je viens de dire que je suis en vidéo, donc on va pas regarder une pub. Et qu'est-ce que tu nous fais? Toi, tu nous mets la pub. C'est pas possible en fait. Enfin. Alors ça c'est un truc que je déteste. C'est les jeux qui te mettent des pubs et c'est des pubs forcées. C'est pas toi qui choisis pour mater la pub. Waouh, toutes les balles que j'ai. Ok, donc. Je peux pas choisir autre chose. Walker, weak and slow infected. Ok. Mais je peux pas, genre. Y a pas des. En fait, je comprends pas. Genre, le jeu, il est giga limité en fait. Ah, là j'ai deux compétences, ok. Ok. Par contre, en vrai, je le prends pas. Le pompe, pour moi, c'est trop. Arrêtez. Si jamais il y a des développeurs de jeux vidéo qui passent et regardent cette vidéo, etc., ou des futurs développeurs de jeux vidéo, les pubs me dérangent pas. Au contraire, à chaque fois que je suis hors vidéo, je l'ai dit à chaque fois, les pubs sur Last Day, je les mate tout le temps. Ça donne de l'argent aux développeurs. Moi, ça me coûte rien, ça rapporte de l'argent aux développeurs. Mais quand vous faites des vidéos, etc., c'est insupportable. Il faut qu'il y ait des pubs uniquement qui ne soient pas obligatoires en fait. Parce que les pubs obligatoires comme ça donne pas envie de jouer aux jeux vidéo en fait. Attendez, j'ai débloqué un truc apparemment. Pourquoi il y a un point d'interrogation? Il y avait un point d'exclamation. Il y a toujours point d'exclamation. Qu'est-ce que. Infected Book. Est-ce que je peux cliquer? Yes, 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 yes. Ok. Donc en fait, il n'y a rien dans le jeu. Je fais une découverte d'un jeu vidéo où il n'y a rien en fait. Donc on est pour un débile, c'est pas possible. C'est giga dur, hein! Putain, la difficulté! En vrai, je fais le malin, mais évidemment, plus vous avancez dans le jeu, et plus évidemment, c'est dur. Oh, ça, je prends. Est-ce qu'il me remet une pub ou pas? Il me remet pas de pub. Ok. Là, en vrai. Putain, mais il y a rien dans le jeu! Pourquoi ils ont pas mis, genre. En vrai, ce qui manque dans le jeu, c'est un arbre de compétences. Et plus on bute de zombies. Plus on a de points de compétences et plus on peut augmenter cet arbre de compétences, genre plus rapide, la recharge elle est plus rapide. Et en plus de ça, à côté, on peut avoir des armes épiques et on peut du coup mater des pubs pour augmenter nos armes ou pour améliorer notre butin, etc. C'est ça qui manque en fait. Pourquoi y'a pas ça dans le jeu? Parce que là, c'est naze, y'a rien en fait dans le jeu. Genre, j'avais vu le jeu, j'étais en mode yes, le jeu est super joli, j'aime bien le gameplay, etc. Ça a l'air super sympa. Mais en fait, y'a archi rien. Vas-y, on va prendre ça. Ok, ça je prends pas. Et voilà, il faudrait que les armes, quand on ne les prend pas, il faudrait qu'on puisse avoir des pièces d'armes pour améliorer l'arme qu'on a en fait. Ça serait bien plus intelligent. Comme ça, tu farmes les levels et tu peux améliorer tes armes, etc. Et t'as pas besoin de devoir passer au niveau d'après pour pouvoir forcément avoir une meilleure arme, genre. Je trouve ça archi bizarre. Mais bon, après, c'est pas moi qui développe le jeu, hein. Mais ouais, si jamais je vois les développeurs qui passent ou quoi. Parce qu'en vrai, no joke, il y a quelques vidéos que j'ai fait où en fait il y a après les. Poils de chat. Poils de chat qui a volé. Excuse-moi, ouais, tue les zombies s'il te plaît. Yes! Il y a pas mal de jeux découvertes, etc. que j'ai fait où au final les développeurs sont venus me voir, etc. m'ont envoyé un message sur Twitter ou un commentaire sur YouTube en disant merci pour la vidéo et tout. Là en vrai, le jeu il a du potentiel, mais il y a rien dedans. Il y a archi rien en fait. Oh là là, cul-de-sac.
archi rien dans le jeu. C'est un gros problème. Et là du coup, il faut que j'attende, il faut que je bute tous les zombies pour récupérer la barre Rampage et qu'elle remonte. Ah ouais, il y a archi rien dans le jeu. En fait, je suis étonné, je m'attendais à bien mieux que ça, et je suis à la fois pas dégoûté parce que le gameplay est cool. Enfin, le gameplay est cool. Bon, je suis en train de tourner en rond sans rien foutre et de buter des zombies avec une seule main. Mais c'est joli à regarder, c'est assez agréable. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire avec. Oula, la cul-de-sac, cul-de-sac, cul-de-sac. Mais on est giga limité en fait. Parce que, apparemment, de ce qu'on peut voir du coup tout là-haut, au niveau de l'arme, c'est que l'arme elle est limitée à deux compétences en quelque sorte, enfin deux habilités. Abilities. C'est ça, c'est archi limité comme jeu en fait. Y a rien à faire. Non. Et là, je suis mort. Je suis retrouvé coincé, je pensais pouvoir passer. Mais écoutez, je vais vous laisser là. Parce que voilà, on a fait le tour du jeu. Donc bref. En vrai, je pense que c'est un petit jeu où il y a peut-être. A mon avis, je pense que ça marche sans internet. Putain, encore une pub. On va se laisser du coup sur. On va admirer du coup la baie de. Je sais pas, vous avez qu'à choisir une ville au hasard. Allez hop, ça casse les couilles. En plus, ils mettent la musique à fond. Donc voilà, on va se laisser là-dessus. Déçu et pas déçu en même temps du jeu vidéo parce que je pense que le jeu. S'il y a des mises à jour, etc., je pense que le jeu peut être archi cool. Mais du coup, bah, faut qu'il y ait des vraies mises à jour et pas juste ça. Mais à mon avis, le jeu marche sur internet. Donc je pense que c'est un petit jeu auquel vous pouvez jouer dans les transports en commun, en allant à l'école, en allant au travail, etc. Donc why not? Pourquoi pas? C'est un tout petit jeu. Mais voilà. Mais ça s'arrête clairement là vu qu'il n'y a pas grand chose à faire dedans et que c'est assez limité. Bref, YouTube, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que le jeu vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Amusez-vous bien. Salut, salut. Bye bye.